Bonjour les amis, tout le monde va bien? Les amis, puis la famille d'ailleurs, hein. Ouais, aujourd'hui je veux vous parler d'un ou deux petits trucs comme ça. Donc là, sous les yeux, vous avez ma petite ferme. Il y en a qui soupirent. Vous en avez assez de voir un petit peu mes invitations, mes commentaires de jeu et tout ça? Je vais vous montrer comment on fait. J'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer, de mettre des messages de jeu. Ça, c'est un des rares que j'ai pas encore bloqué. Donc là, on voit qu'il y a justement un petit commentaire de jeu, partagé pour les récompenses, etc. Si vous en avez assez de voir ces genres de choses, il y a une petite flèche ici en haut à droite. Vous cliquez sur la petite flèche. Attention, vous ne vous trompez pas, parce que je pense que votre ami, etc., vous voulez toujours suivre. Tout masqué du jeu. Et voilà. Comme ça, vous ne le verrez plus. Sinon, il y a aussi un autre moyen. Je vais vous le montrer aussi. Vous voyez ici, dans la colonne de gauche, les applications. Ici, on a les jeux. Activité. Ici, vous voyez, il y a un petit carré avec du rouge. Activité. Vous voyez, invitation. Et puis, vous avez ça. Une invitation pour un jeu. Il y a ici une belle petite croix. Encore une petite croix. Tac. Et là, vous voulez bloquer que le jeu, puis pas la personne. Donc, on bloque. Un jeu et on confirme. Et voilà, vous aurez la paix plus pour ce jeu, ça sera fini. S'il y a d'autres jeux que vous voulez bloquer, pareil. Maintenant, il y a encore une autre chose. C'est ça. Ça, c'est un petit peu pénible. Qui lit réellement mes messages? Qui est mon ami? Hey, je t'ai accepté comme ami ou pas? Tu veux que je te le dise 20 fois par semaine? Je crois que tu pousses un petit peu. Stop. Regarde. Je vais voir qui sont mes vrais amis. Juste pour un petit rappel. Facebook trie un petit peu les publications que vous recevez. Vous n'allez pas recevoir des nouvelles de tous vos amis tous les jours. Regardez vos amis que vous avez. Regardez les nouvelles que vous voyez. Vous verrez qu'il y a seulement un petit pourcentage qui est publié. Donc, ce n'est pas une histoire de qui lit, etc. Ça vient aussi de Facebook, hein. Et puis ça, alors, ça. Tu lis ce que tu publies ou pas? Franchement, si je ne le vois pas, tu n'as rien à faire dans mes amis. Mais va donc, vous savez la suite, hein? Puis ça. Je parie qu'il n'y aura pas 10 qui publieront ceci sur leur mur. Je pense déjà savoir sur qui je peux compter. Hey! T'as fini de me faire du chantage ou bien? Donc voilà, on peut faire du tri sur Facebook. Ne plus suivre les personnes qui nous intéressent pas. Par exemple là. Bon, Géraldine là, ne vous inquiétez pas, elle fait pas ce genre de conneries d'habitude. J'ai fait ça pour. Pour arrondir les angles, on dira, vous savez, politiquement correct. Alors là, ne plus suivre Géraldine. Vous ne voyez plus les publications, mais restez amis. On peut faire ça. Puis comme ça, ce sera beaucoup plus serein. Vous ne verrez pas des nouvelles de Géraldine, mais des autres qui vous cassent moins les. Ok? Enfin, c'était mes petites nouvelles du jour. Je vous la souhaite bonne cette journée. Bye!